Merci Berbère. Elle a besoin d'un plombier chauffage. Non, ça y est, là, j'ai réglé. Je vous ai dit la chaudière, machine à laver, c'est bon. Tout est nickel, tout est neuf. Maintenant, on va s'attaquer à la déco. Par exemple, là, genre, vous voyez pas, mais juste en face de moi, j'ai un petit renfoncement dans le mur. Mon rêve, quand j'ai acheté cet appart, mon rêve, c'était de mettre un mur végétal. Vous, moquez-vous, moquez-vous. Jugez mes goûts. C'est pas grave, je voulais un mur végétal. C'est toujours mon rêve. Mais en fait, ça coûte trop cher pour de la décoration. Mais un jour, Inch'Allah, quand ça fera partie de mes priorités, je mettrai mon mur végétal. Voilà. Ça prend la poussière, ça. Oui, je sais, mais c'est pas grave, c'est mon rêve. Ça demande beaucoup d'entretien. Non, mais je veux du fake. Moi, du plastique, ça me va très très bien. Oui. Avec des pots. Non, moi, je veux un fake. Je veux pas la patience. J'ai des plantes. J'ai une main verte. Aucun problème, mais entretenir un mur végétal, un vrai, ça va aller. Ça va me faire pourrir mon mur. Non, non. Oui, mais les amis, je veux bien réaliser mon rêve, mais pour de la décoration, ça coûte très cher. Ça coûte de mémoire. T'as 1 mètre carré, je crois que ça faisait 100 balles. Ça commence à faire cher le mur végétal. Ah ouais, en plastique. Oui, mais plastique, ouais, plastique. Non, c'est gentil. Je n'allais pas m'offrir mon mur végétal. Je vais prendre du temps, mais ça va le faire. Prendre un tapisserie végétale. Non, c'est moi, je préfère le laisser blanc. Problème d'argent, il faut un mari, je vous l'avais dit. Je suis mort. En plus, la nature, ça réfléchit. Mais oui, mais j'ai déjà plein de plantes. Déjà, un arite, j'en peux plus. Les plantes, c'est comme des animaux, faut s'en occuper et tout. J'ai mon petit labo derrière. Enfin, de plantes, quoi. Enfin, voilà. Attends, faut que je rattrape ce que je suis en train de dire. J'ai un petit palmito, enfin voilà quoi, ça. Basico-basique. Bref, on disait quoi déjà? Indépendante, bah oui, il faut bien quoi, à un moment donné, on va pas se laisser mourir quoi. Ouais, là, pour 2024, je suis en mode. Je vais un peu rafraîchir mon appart. Faut que je repeigne ma salle de bain. En fait, j'ai fait une dinguerie. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai vraiment fait une dinguerie dans la salle de bain. Je sais pas si vous vous rappelez. Bon, pour les anciens, j'ai mis de la henna. J'ai mis du henné dans mes cheveux. Quand tu es mariée. Mais c'est gentil, elle a dit, mais t'inquiète pas. Ça va le faire. Bref, j'ai mis du henné et comme une imbécile, quand je suis allée me doucher, devinez quel geste j'ai fait. J'avais les cheveux comme ça, tout devant, parce que j'essaie de d'éviter les dégâts. Et après, je fais ça. Écoutez-moi, il y a une ligne de noir dans mon plafond, dans ma douche. J'ai fait des dingueries. Non, mais de noir, c'est pas orange, noir, noir sur mon plafond, il y a des traces noires. Je peux pas. Des fois, je me suis dit, vas-y, je mets un peu de blanco, ça passe. Mais non, je peux pas. Donc, il va falloir que je repeigne la salle de bain. Allez, ça a des wadi. Des fois, je fais des trucs, je regrette. En plus, je savais, j'avais fait une vidéo, j'avais dit, putain, j'ai plus peur du lavage du henné plutôt que de l'application de l'art contemporain. C'est ça. Oui, je pense que si une personne rentre dans ma salle de bain, ils vont se dire putain, c'est ah, l'humidité. Alors, pas du tout, c'est du henné. Mais enfin, arabe style. Qui fait ça sous la douche, les filles? Bah,
personne. Ben oui, mais tu vois, donc j'étais dans ma baignoire et je mets tous mes cheveux devant. Je me suis dit comme ça, j'isole les dégâts. Et après, ben, je suis allée me doucher. Sauf qu'en fait, tout le henné, il sort pas de suite, tu vois. Et après, j'ai tout remis en arrière. Et quand j'ai remis en arrière, bref. Compliqué. L'arabe, je ne comprends pas quand. Ah, je vais traduire la prochaine fois. Mais des fois, c'est des expressions, c'est compliqué à traduire, hein, je vais pas te mentir. Oh, One Direction. Avec tes expressions de scène. Ouais, j'ai un peu des expressions de vieille. Vous inquiétez pas, je vais reprendre. De toute façon, j'ai plein de travaux, j'ai une liste. Je vais m'en occuper. Trois pièces à reprendre. Non. Non, 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 non. Non, non. Je vais juste repeindre la salle de bain et juste peindre un pan de mur. Merci Stéphane. Un pan de mur dans ma... comment ça s'appelle? Dans ma chambre. Je suis d'origine algérienne. Bah c'est cool. Merci Stranger. Et le bureau? Non, le bureau, il est déjà peint. Bizarrement, il y a un pan de mur qui est peint déjà. Il est gris. Un peu chelou, mais vas-y, tranquille. De toute façon, c'est qu'une seconde chambre, donc on s'en fout.